Sire! Faut revenir dans les terres si on veut un abri pour la nuit. Tu bougeras pas. Théobald. Qu'est-ce que je donnerais pour un lit chaud et une bonne paire de seins? Et un bon poulet braisé. À chaque âge, c'est priorité. Qu'est-ce que je donnerais pas pour une destination? Tu veux la retrouver, ta femme, Emeric? Je le sais bien, sire. C'est de la naissance de mon dernier qui m'inquiète. Ambre a toujours eu la santé fragile et je n'aime pas la savoir seule dans ces moments-là. On n'obtiendra plus rien de cette carte pour le reste du voyage. Du moment qu'on évite de se cogner des nuits dans les cales de navire. T'as un problème avec les lignes dans les filets? J'ai un problème contre tout ce qui concerne la flotte. T'en as peur, Adolphe? J'ai pas peur, j'aime pas ça, c'est tout. Il faut qu'on trouve un village et qu'on reprenne des vivres. Et il faut qu'on ait une carte appropriée. Et qu'on évite certaines zones. T'as peur des loups, maintenant? Que d'un seul. On entend dire que Valdemar est de moins en moins regardant en ce qui concerne les limites de ses frontières. Et d'où tu tiens tes informations? Si tu passais moins de temps à compter tes sous pour savoir quelle nuit tu vas pouvoir te payer pendant la nuit, tu saurais que le charme d'une langue bien faite peut t'apporter bien plus d'une femme que quelques écus. Elles sont bavardes une fois satisfaites. Ah ah ah. Et tu penses que je serais capable de tenter une invasion? Une invasion, non. On ne parle que de quelques escarmouches. Si tu veux mon avis, il s'agit plus du fait d'une armée indisciplinée que d'un seigneur ambitieux. On a passé des accords. Les accords, ça se défait. Et on laisse faire une pareille provocation. Aux dernières nouvelles, on est encore sur les terres de Théobald, le sauveur des rois et le garant des lendemains. Cela fait bientôt une saison que nous sommes sur les routes. Et que le trône est vacant. Tu te doutes bien que Enguerrand se charge de l'intendance. Et il le fait très bien. Ça suffira d'ici à mon retour. Tancred, demain on ira en ville. On trouvera une carte. Ensuite, nous irons vers l'ouest. C'est là-bas qu'on la trouvera. Reposons-nous. Il nous reste de la route. Thank you.
Il nous faut 4 litres de viande séchée et 5 litres d'eau, s'il vous plaît. Et quelques céréales aussi, peut-être, non ? 1 litre de vin. Allez-y, suivez-la. Merci. Une carte, je vous prie. Oui, tout de suite. Merci, mon brave. C'est moi, messire. C'est un honneur de recevoir Théobald, seigneur des airs de Lande, chez moi. D'autant plus quand il est accompagné de l'héritier de la couronne des royaumes de la côte. Voilà pour votre discrétion. Nous sommes en mission pour sa seigneurie, et nous ne tenons pas à être vus plus que de raison. J'espère que vous comprendrez. Bien sûr, bien sûr. C'est le même conflit depuis la création. Les parents interdisent, les enfants défient. J'ai jamais eu le luxe de défier qui que ce soit. Plus jamais interdire. Qu'est-ce que tu dirais de miser sur la prochaine partie ? Voilà, messieurs. 3-6-6. Sans moi. Les jeux de dés, ça ne réussit pas. Aymeric, le jeune prodige qui se défile face aux dés. Voilà ce que les récits héroïques omettent de raconter. Pour rejoindre les terres de mon père, le plus simple sera de passer par là. Le pont qui est plus au nord est trop près des Vinland de Valdemar. Autant ne pas prendre de risques inutiles. C'est ici que nous irons. Tu veux passer ici près de chez Godric sans le saluer ? Quand il m'a offert sa fille, c'était avec l'assurance que je t'aurais la protégée. Elle a disparu, Landry. Et je vois mal ton père me le pardonner. Et je tiens pas à être exécuté aussi loin de chez moi. Ma sœur a fait ses propres choix, Théobald. Je partage ta peine, sois en sûr. Mais tu ne peux pas tout arrêter juste parce qu'elle n'est plus là. Et pourquoi pas ? Comprends-le. Il voit encore en toi le gamin de Flusdorf. Parti de rien, devenu roi. Ne s'est pas habitué au Théobald médusé qui nous accompagne mais qui ne dirige plus. Et aucun d'entre nous ne l'est d'ailleurs. Laissez-moi encore un peu de route. Autant de temps qu'il te faudra. Nous sommes tes gardiens. Fidèle jusqu'après le crépuscule de notre souverain.
Qu'est-ce que tu fais? Des jouets. Pour les enfants qu'il aura avec sa femme imaginaire. Continue de déflorer la moitié du pays, toi. Et laisse-moi chercher celle avec qui je pourrais avoir un foyer. À ce jeu-là, tu admettras que j'ai plus de chances d'avoir des enfants que toi. Ouais. Et tu finiras vieux et seul au fond d'une cahute avec la chaude pisse, sans héritier pour te reconnaître, ni femme pour t'accompagner. J'ai touché un point sensible? Messieurs, messieurs! En attendant d'avoir ma réponse, je vais aller voir le sauveur de roi. Mmh. Savoir s'il a trouvé la marche à suivre. Et courage, messieurs. Une fois qu'on aura traversé le pont, ce sera la dernière étape de notre voyage. Un œil de Sainte-Lucie. Il représente les yeux d'une jeune femme. Elle se les est arrachés par dévotion à la Vierge pour que sa mère puisse guérir. Pour la remercier de son sacrifice, la Vierge lui rendit la vue. Elle lui a offert les yeux les plus beaux et les plus lumineux qui soient. Ma mère n'arrêtait pas de me répéter que ma naissance lui avait sauvé la vie. Que c'était pour ça que Dieu m'avait offert de si beaux yeux. Elle m'a offert ce présent pour que jamais je n'oublie qu'un simple regard pouvait changer bien des choses dans une vie. Je la crois sur parole. Tu secrètes ton royaume? Non. J'argumente avec la Vierge. Tu veux qu'on pose le campement ici? Non plus. Je tiens pas à dormir sous le regard des statues. Toujours pas réconcilié avec ce d'en haut. Pas vraiment, non. J'ai passé toute la première partie de ma vie sans eux. J'ai pas eu de problème. Je me suis soumis à leurs règles pour ma femme. Regarde ce que ça m'a apporté. Alors non, je suis pas réconcilié. Et disons-le sans détour, je crois même que je suis fâché. Je suis content de revoir ce visage. Ça faisait longtemps que je l'ai pas vu. Messieurs! En route! On monte la rivière sur deux lieux, on arrive au fleuve. On pourrait être au pont avant la nuit. Parfait. Alors Adolphe, tu trouves ton bonheur? Lucas, t'en as une en vue? Laisse-le tranquille. Tais-toi donc. Écoute un peu. La lumière s'éleine qui dépose sa main blanche. Thank you.
beauté. En route, les amis. Nous avons suffisamment traîné sur les chemins. L'Ouest nous tend les bras. Dépêchons-nous de le rejoindre. Ouest, Ouest, pourquoi faut-il toujours qu'on aille à l'Ouest? Parce que c'est loin de la nuit, mon ami. Et les mauvaises idées qui l'accompagnent. Pourquoi faut-il toujours qu'on se dirige vers la flotte? Ce n'est qu'un pont, Adalph. Rien qu'un pont. Moi que c'est une blague. On y va en nageant, Adalph, hein. Oh, mais c'est qu'il serait presque d'humeur joviale, le vieux. Je comprends pas. Mais sur la carte. Au-delà de la carte. On est toujours passé par ici, il y a toujours eu un pont de fortune. Faudra passer par le pont au nord. Et risquer de croiser une garnison de Valdemar. Très bonne idée. Oh. On a Aymeric avec nous. Ben voyons. Aymeric, le jeune prodige et l'orphelin en pourpré viennent à bout d'une trentaine de soldats sans la moindre égratignure. Mais passez devant, je vous regarde. Cela peut être envisageable. Ça fait longtemps qu'on n'a pas dansé sur le fil de la lame. Si c'est pas toi qui vas être d'un soutien de poids, mon vieil Éloi. Tu serais surpris, jeune loup, de trancher des gorges avec Adalph à une époque où tu ne savais même pas prononcer ce mot. Plutôt que de savoir qui a la plus grosse épée, on essaierait pas de trouver une solution. Et le vieil ours vint au secours du louveteau. Tu peux rien pour attendre, bonhomme. La ville n'est pas très loin, non? Exact. C'est Flusdorf. J'aurais préféré l'éviter, mais visiblement, la fortune nous force la main. Et pourquoi l'éviter? C'est une ville frontalière des territoires de Godric, Valdemar et des Bois Sombres. C'est un lieu de passage qui faisait la fierté de Faucigny Landéric pour son commerce florissant. Quel est le problème, alors? On a grandi là-bas avec Tancred. Landéric, comme tous ceux de haute extraction, n'en a jamais vu les bas-fonds. Nous aussi. Je peux t'assurer que le calme n'y est que de surface. La haute société se réfugie dans les quartiers des eaux et ne voit jamais la couleur du peuple. On n'aura qu'à y aller directement? Impossible. Il n'y a pas d'accès direct au quartier des eaux. Il faudrait remonter le courant. Génial. Il faudrait être discret. Si on peut rester discret. Adalph, Éloi, avec moi. Messire Landry. De retour en ville, Tancred. Tu n'accompagnes plus ton beau? Ou bien tu es venu fêter les fiançailles de la Blanche Colombe? Théobald. Emeline. Mon beau Théobald.
Je me souviens d'un temps non si lointain où, après tes virées nocturnes, tu venais visiter ma couche. Tu parles là d'une époque révolue ? Mon bel amour, qu'est-ce qui t'a pris de sauver le vieillard ? Tu as hérité d'un père spirituel mourant, de terres impossibles à administrer et d'un beau paquet d'ennuis. Si tu étais resté avec moi, tu serais devenu le prince de la ville. Je me contenterais d'en être le seigneur. Toujours cette assurance froide, ce calme de façade. Mais je sais ce que tout cela cache. Fut un temps, tu étais moins timide. As-tu donné à voir à ta prude de femme ce qui sommeille en toi ? Emeline. Recule. Alors ? C'est toi le bagarreur de troupe ? Norbert ! Occupé ! Savez-vous seulement où vous êtes, Léon ? Ici, vous êtes en plein quartier d'Emeline, et personne ne la défie. Tu miserais la vie de ton ami sur cette affirmation ? Allons, messieurs ! Tancred, on plaisante, mon doux. Qu'est-ce que tu veux, Emeline ? Te prévenir, Théobald. Il ne fait pas bon vivre dans cette ville en ce moment. On voit de plus en plus de Vinlandiens dans les rues, et ils ne sont pas là pour le commerce. La guerre se prépare, Théobald. C'est ce qu'on entend partout. Valdemar semble prêt. On ne sait pas comment Godric va réagir, mais... l'absence de ta belle, sa fille, sont les derniers échos qu'on a eu des royaumes de la côte. Ce qui m'amène à ma question. Qu'est-ce que tu fous là ? J'ai affaire du côté du royaume de la côte. Tu vas visiter Godric ? C'est pas dans mes plans. Ne me dis pas que tu y vas pour la retrouver. Théobald, cesse cette folie ! Théobald, écoute-moi. Va reprendre ton trône, aussi nauséeuse cette idée puisse-t-elle m'apparaître. Ou bien fuis, loin, très loin. Car la situation va dégénérer, crois-moi. Je te remercie, Emeline. Mais je crois que cette fois, je ne vais pas avoir le choix. Je t'en supplie. Tu ne reviendras pas. Tu le sais aussi bien que moi. Renonce et accepte. C'est nous qui façonnons notre monde, pas l'inverse. Rappelle-toi. Messire, vous êtes attendu à la réception. Seigneur Théobald, un certain messire Dubœuf fête les fiançailles de sa fille Blanche cette nuit. Toutes mes félicitations. Il nous a invités à rejoindre la fête. Je lui ai répondu que nous nous ferions un plaisir de nous asseoir à sa table. Qu'en pensez-vous ? Naturellement. Sire, suivez-moi. Messire, je vous souhaite la bienvenue dans le quartier des Eaux, assurément le plus agréable de cette ville. Ah, sans Dieu ! C'est fait pour moi ici ! Dis, Tancred, quand il parlait tout à l'heure de la retrouver, tu penses pas qu'il voulait dire que... C'est un pèlerinage, Lucas. Ne crois pas que ton seigneur soit sénile. Non, mais c'est pas ce que j'ai voulu dire. C'est ce que tu laisses entendre, pourtant. Le lieu où on va, c'est le lieu de naissance d'Alban. Un endroit privilégié. J'ai bien peur qu'il n'y aille pas en simple pèlerinage. Qu'est-ce que tu veux dire ? Les côtes où j'ai passé mon enfance avec ma sœur sont des lieux chargés d'histoire et de mythes. L'un d'entre eux évoque une caverne, et le souffle que l'on y trouve. Mais qu'est-ce qu'il apporte, ce souffle ? C'est un vent qui tient lieu de passage. Un maelstrom d'âmes qui vont et viennent. Une grotte interdite aux mortels. Personne ne la pénètre, et personne n'en revient. Et tu donnes du crédit à de telles histoires ? Je me garde d'être certain face à l'inconnu. Mais tu fais bien. Les temps anciens sont trop obscurs pour qu'on prenne ce genre de mythe à la légère. Quoi que Théobald veuille, il faudra le suivre. Jusqu'après le crépuscule. Je sais, Tancred, j'ai prêté serment aussi. Lui là-bas, c'est Lucas, le plus jeune de la troupe. Si t'as déjà entendu parler de l'orphelin empourpré, je te le présente en personne. Il a fait sa première bataille à 11 ans, t'imagines l'histoire ? Quand ils l'ont retrouvé à la fin du jour, il était rouge de sang de la tête aux pieds. Il a de la tête dure, mais c'est un bon.
Et à côté, tu retrouves Landry, l'héritier des royaumes de la côte, que je ne présente pas. Et puis Tancred, l'ami de toujours de Théobald. Ils viennent d'ici. C'est sûrement le plus sinistre d'entre nous, mais sur un champ de bataille, c'est le meilleur allié qui soit. Et puis là-bas, en train de donner ses leçons à la jeunesse, Emric, le jeune prodige. C'est notre maître d'armes. C'est le seul parmi nous qui a su blesser Valdemar. Et puis bien sûr, Adalf, mon compagnon d'armes, mon vieux frère. À nous deux, rien ne nous arrête. Rien de rien ? Absolument rien, jeune fille. Rien ne nous résiste. Défie-nous si tu veux en avoir le cœur net. J'y réfléchirai. Je ne comprends toujours pas comment il est possible que nous ne contrôlions pas les portes de la ville. C'est vrai qu'avec le quartier des eaux, en gestionnaire des portes de la ville, nous aurions vite fait de dégager la racaille des rues de la ville basse. Seulement Sire Enguerrand ne veut pas en entendre parler tant que Messire Théobald n'est pas à la capitale. Vous qui venez de Fulsdorf, Messire, n'avez-vous jamais envisagé de telles méthodes ? Vous dites vrai, Messire. J'ai passé mon enfance à Fulsdorf. Mais je n'ai eu la chance de pénétrer le quartier des eaux que sous la protection du regretté seigneur des Ardelandes, Landéric. Ce que je sais de votre quartier, c'est qu'il a été construit pour que vous puissiez vous y réfugier. Et dans le pire des cas, fuir le bourg en suivant le courant. Vous mettre en charge des portes de la ville reviendrait à vous exposer à la population qui la pénètre. Je ne crois pas que vous y soyez préparé. Je suis au regret de vous annoncer que le seul intérêt que présente votre quartier aux yeux du royaume n'est que le ravissement de ceux-ci. Alors gardez-vous bien de nettoyer les rues des racailles qui font votre richesse. Messire. Et au jeune fou de se défaire de son ennemi et de déclarer à sa belle, passe en toi, peu importe que ça me coûte, je retournerai le monde. La raison me quitte, je voulais te voir ronde, voilà de quoi j'hérite. Tu vas garder tout le répertoire ? J'ai l'impression que la demoiselle juste là ne le découvre que ce soir. Ah, et je la trouve touchante. Je vois. Vous n'êtes plus avec les vieux croulants ? Non. Je crois que je les ai vexés. Ça leur fait du bien ? Ah, ma fille ! Père. J'ai cru que jamais tu ne viendrais. La belle à la fleur déclara : va-t'en. Pars maintenant. Amour, survie pour moi. Vous êtes tous gardiens ici ? Tu connais les gardiens, toi ? Bien sûr que je les connais. Mon jeune frère, il voudra en devenir un plus tard. Fidèle jusqu'après le crépuscule de son souverain. C'est la devise des gardiens. C'est un beau projet. Vous pourriez l'aider, messire. Que doit-il faire pour en être un ? C'est quelque chose de très individuel, tu sais. Bon. Tout d'abord, il faut faire preuve de bravoure au combat. Et te présenter à ton seigneur. S'il accepte que tu rejoignes les rangs des gardiens, il faudra prêter serment. Un serment qui te lie à vie avec ton souverain. Tu le suivras dans toutes les étapes de son règne, et au-delà. Rien ne doit entraver les demandes de ton seigneur, et tu ne peux t'éloigner de lui que s'il te l'autorise. Et ça ne rompt en rien le serment. Au moindre de ses appels, il faut le rejoindre. Et vous êtes tous présents ici ? Non. Il y en a quelques-uns disséminés dans le royaume. Certains en mission, d'autres à l'intendance, pour représenter le seigneur. Historiquement, il y en avait 21. Après la guerre, ils ont été répartis dans les royaumes du Ardeland de Landric, dont Théobald a hérité la charge. Nous sommes 10 en tout, et les 11 autres sont fidèles à Godric, frère de Landric, et seigneur du royaume de la côte. Est-ce qu'il a déjà eu des femmes dans les rangs ? C'est un fait rare, mais oui, il y en a eu. Ça t'intéresse ? Ça aurait pu, oui, mais mon destin est ailleurs. Les cimes gênent la lumière s'éleine qui dépose sa main blanche. Quel
C'est donc vous, Blanche, le résolu de la future union? Non, sire. Je ne suis celle sur qui l'attention se porte ce soir. J'en suis la grande sœur. L'heureux élu, comme vous le dites si bien, est en train de discuter avec l'un de vos hommes. Très bien. Vous devez sûrement être prise ailleurs. Non plus. Il y a peu d'avenir possible pour une femme incapable d'enfanter. J'en suis navré. Il ne faut pas. Je n'ai jamais été très dévouée à Dieu. Il doit probablement m'en faire payer le prix. Je regrette simplement de ne pas pouvoir protéger ma sœur des griffes de son prétendant. Regardez-le. Cet homme pose problème? Vous êtes bon, sire. Laissez ce lieu à ce qu'il est pour vous. Un endroit de passage, rien de plus. Gardez votre énergie pour des quêtes à la hauteur de votre attention. Mon père s'affaiblit et il a besoin de soutien rapidement. Nous allons gérer la situation à la manière des gens ordinaires. Très bien. Laissons cette sombre affaire de côté. Je suis Neven, fille du notaire du Bœuf. Enchantée, Neven. Je vous prie de bien vouloir excuser toutes mes maladresses. Cessez de vous confondre en excuses, sire. Vous êtes le seigneur ici. Préparez-vous plutôt pour la fête à venir. La fête ? Alors, Aymeric, toujours pas de cavalière pour ce soir. J'ai tout ce qu'il me faut à la maison. Mais je pense que je demanderai quelques pas de danse à la fiancée, si je la trouve dans l'embarras. De Aymeric le jeune prodige, on va t'appeler Aymeric le preneur de vertu. Hein. C'est moins héroïque, mais je crois que je m'y ferai. Décidément, un homme comblé n'a rien à opposer aux chicaneries. C'est devenu chiant, vieille branche. Ah, quelle femme, je vous jure! Alors demande un tour de suite. Donnez-moi un verre. Tu danses pas, Aymeric? Non, il arrive à peine à tenir son épée, alors faire danser une femme, tu penses? Tu es un grand guerrier, Tancred. Je te laisse passer une minute avant de t'effondrer face à moi. Enfin! Évitez de vous entretuer en pleine fête, ça ferait des ordres. À moi, je vais relever ce bon landry. T'es prêt à parler de l'argent, mon gros? T'es prêt? Ok, c'est parti. Allez, ok, ok. On va séparer en deux. Il va y avoir les deux premiers et le troisième. D'accord. On lance d'abord la chouette, de préférence sur un endroit plat. Et là, tu vois, j'ai fait un 5 et un 6, ce qui fait 11. Et après, on lance le troisième, qui fait un 2. Et là, tu vois, ça fait un 13. Le 13, c'est un chiffre porte-bonheur que j'ai déclaré au début du jeu. Et donc, c'est comme ça qu'on gagne. C'est comme ça qu'on gagne. Du coup, tu me dois 2 pièces de cube. 2 pièces de cube. T'as perdu ce coup-là. C'est la règle du jeu. Donc, combien? 4. Il y a 3 là. Du coup, je gagne 3 fois la mise précédente. Ça fait. T'as posé les dés là.
sais que je t'aime, toi ? Quoi ? Tu sais que je t'aime, toi ? Moi aussi, à moi. Parfois, je me demande ce que je deviendrais si t'étais plus là. J'en trouverais une autre. Impossible. J'en serais incapable. Tu as trop besoin de tendresse pour porter le deuil de notre amour toute une vie. N'essaie pas de te soustraire à mon regard, tu en es incapable, amour. Filii Spiritus Sancti. Théobald. Théobald. Quoi ? Tes hommes sont à l'entrée. Ils demandent à te voir. J'espère que vous avez une bonne raison pour me réveiller aussi brusquement. Un invité nous a dit qu'il y avait un passeur à la sortie de la ville. Pour quelques pièces, il nous ferait passer de l'autre côté. Il a été vu hier. Si on veut l'avoir, c'est aujourd'hui. Mettons-nous en route. Où sont Adalf et Éloi ? Éloi recrache tout ce qu'il a bu une dernière fois avant le départ, et Adalf salue sa conquête de la veille. Il semble ne pas vouloir en démordre. On s'arrête quelques instants. On n'a pas cessé de marcher depuis Flusdorf. Je crois qu'Éloi ne refuserait pas une petite pause. Je vais bien, Landry. Ne me prends pas en pitié. Et ne prends surtout pas Éloi en prétexte. Comme tu voudras. Allons-y. Ils sont déjà de l'avance. Thank you.
Bien le bonjour, mon ami. Ah, voilà un jeune homme qui a de l'éducation, hein. Ou bien il est amoureux pour être aussi jovial. Ah, l'amour, la jeunesse, hein, c'est beau. Ça commence toujours comme ça avec un sourire pour atteindre ses fins. Et puis, une fois l'union consommée, eh bien, on se rend vite compte que tout a une fin. Même le désir. Combien pour traverser? Traverser quoi? Hein? Ah, la rive! Eh bien, voilà qui est bien sérieux, hein? Ce monsieur n'a pas le temps. Ou il n'a jamais su saisir l'occasion, hein? Toujours pressé, hein? Vers aller vers des horizons lointains, vite, vite, avant que le voile de la nuit ne se jette sur vous. Remballe ton numéro de carte mancienne, dis-moi combien tu prends pour traverser, et profite de mon dernier moment de patience pour me donner une réponse qui me plaise. Inutile d'être méprisant, monseigneur. Vous savez qu'avec un sourire, vous pourriez avoir tout ce que vous voulez. Tu veux mourir ici ? Arrête ton crède ! On n'obtiendra rien de lui en le brutalisant comme ça. C'est pas lui dont j'ai besoin, c'est de sa barque. On va voir s'il fait encore le malin avec un bras en main. Eh bien, monseigneur n'a qu'à me désosser. Mais c'est que t'as de l'idée quand tu veux. Mais monseigneur, comment va-t-il traverser la rive ? Avec les courants de fond, hein ? Avec ses bras de brute ? Il a raison. Les hommes de main ne sont que des bras. Et vos bourgeoises, elles traversent pas? Je vous préviens, c'est un spécimen celui-là. C'est ce que je préfère. Et combien prend notre cher passeur? Et 5 pièces par tête. Eh bien, pour un service de prestige, j'imagine. Avec l'assurance de vous retrouver en vie de l'autre côté. Mais c'est que monsieur a des arguments de choix. Il faudra compter le double pour que je ramène tout le monde à bon port. Cela fait 9 fois plus de travail. Je t'en offre 6 par tête. Pour ton assurance et ta discrétion quant à notre passage. Voilà une bourse de seigneur avec des manières de rustre. Ou de brigand, je comprends mieux l'empressement de votre ami. Quoique je ne vois pas de butin. Des seigneuries en mission, peut-être. Votre ami est amateur de théorie. Alors laissons le mystère planer, ça lui laissera quelques histoires à imaginer. Et mettons-nous en route. Nous allons commencer par le jeune loup, là, qui attend un mot du chef pour me tuer. Le ronchon, le beau blond avec la bourse bien remplie, et l'amoureux d'histoire. Autant faire passer les menaces en premier. Ensuite, l'amoureux, le beau parleur et celui qui essaye de se faire discret et qui ferait mieux d'aller voir son apothicaire si j'en crois son teint. Et on le fait, vos potes, avant de rentrer dans ma barque. Allez-y. S'il y a une surprise en face, je préfère vous avoir devant. Une partie de désir. Faites sans moi. Je vais me reposer un peu. Vous avez beaucoup de conversations. Merci, mon brave. Allez, dépêchez-vous que j'aille chercher votre sauveur. Allez, hop, c'est parti. Oui.
messire. Ne tardons pas. Et vous faites votre trajet en toute saison ? En toute saison, oui. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. Je fais traverser les voyageurs qui veulent un trajet rapide et discret. Théobald, Théobald, ça va? Tu t'es évanoui sur la barque. Adalf s'est précipité pour te porter secours. Le passeur et Eloi sont parvenus à te tirer hors de l'eau, mais Adalf n'a pas réussi à remonter. On l'a perdu, Théobald. Le passeur? Il est parti sans son argent. Il dit qu'en plus d'avoir failli à sa mission, le sauveur des rois n'a pas à payer pour ses services. On aurait déjà payé le prix, selon lui. Au revoir, mon ami. Pardonne-nous. Nous n'avons pas de quoi te faire les adieux que tu mérites. Tu auras été fidèle jusqu'à ton crépuscule. Ton nom ne sera pas oublié. Faites vos adieux comme vous le pouvez. Que notre camarade ne se retrouve pas complètement seul au fond de cette eau. Et remettons-nous en route. On a une quête à terminer. Des proches à retrouver.
Domine Patris Filii Spiritus Sancti. Amen. In nomine Patris et Filii Spiritus Sancti. Heureuse, ma sœur. Ton sourire en est témoin. De servir ton homme, cette fois en tant que gardien. Je crois que mon sang est maudit. Sire, il faut reprendre la route avant que la nuit nous rattrape. Du retour au pays, hein. Ce n'est plus mon pays. J'ai renoncé à mon héritage et au royaume de la côte le jour où j'ai prêté serment, devenant gardien de Théobald. Dépêchons-nous de longer la côte au nord avant de croiser une patrouille de mon père. Il n'appréciera pas notre présence sur ses terres sans avoir été prévenu. Notre quête touche à sa fin. On y est presque, sire. J'espère. Parfois, j'en viens presque à regretter d'avoir sauvé ce vieux Lambéric. Tout aurait été plus simple, alors. Réveillez-vous, merde. Je te demande pardon. Pardonnez-moi, sire. Mais vous voir comme ça, c'est insupportable. Vous n'êtes pas arrivé où vous en êtes par hasard. Ce que vous l'avez arraché au monde. Alors que vous ressassiez le passé, c'est une chose. Que vous suiviez des fantômes, pourquoi pas. Mais faites-le en vous battant. Vous voulez plus être le sauveur des rois, parfait. Mais demeurez au moins le garant des lendemains, pour l'amour de Dieu. Thank you.
Théobald. Un messager pour le roi. Messire Théobald. Eh bien, parle maintenant que je suis éveillé. Une vingtaine d'entre nous ont été dépêchés à travers le royaume, sire. Parle, te dis-je. Viens-en au fait. Valdemar a déclaré la guerre aux Erdélandes. Il a déjà attaqué au nord de Geberstadt. Enguerrand, votre gardien, a péri au cours d'une mission pour reprendre vos terres, monseigneur. Le trône n'a plus d'intendance. Depuis combien de temps es-tu sur les routes, me dis-tu ? Voilà 10 jours que je suis parti, sire. Théobald ? Plus tard, Tancred. Cours à la ville la plus proche. Envoie des messages. Que tous les gardiens se fassent solidaires des hommes des différents duchés. Valdemar va pas attaquer de front. Ce serait trop coûteux. Il nous reste un peu de temps. Va, dépêche-toi. Bien, monseigneur. Il faudra que Godric fasse pression sur ses frontières. Que Valdemar ne puisse pas rassembler une armée. Théobald. Quoi encore ? Qu'est-ce que tu fais ? Pardonnez-moi, sire. Je dois partir. Partir ? Ambre se trouve à peine 30 lieues de Geberstadt. Les troupes régulières de Valdemar vont y passer, je peux pas le permettre. Et moi, je ne peux pas te permettre de partir. J'ai besoin de toi avec Godric. Si ça tourne mal. Et après, on mettra Ambre en sécurité. Il sera trop tard. Je ne peux pas prendre ce risque. Et moi, je ne peux pas prendre le risque de te laisser partir. Je peux pas te l'autoriser. Je sais bien, Théobald. Émeric, reprends tes esprits. Il n'est pas encore trop tard. C'est le pays entier que tu mets en péril. Je préférerais voir le monde brûler plutôt que de voir ma femme et mon enfant mort. Émeric, tu n'as pas d'autre issue. Fais pas ça, mon ami. Je renonce à mon titre et tous les honneurs qui lui sont dus. Je renonce à m'appeler gardien Théobald. Émeric, cesse cette folie. Seigneur des Erdeland, sauveur du roi et garant des lendemains. Émeric, je t'en prie, arrête. Je renonce à l'accompagner durant son règne et jusqu'à son crépuscule. Alors je défie les gardiens ici présents aujourd'hui qu'ils viennent rendre justice. Ainsi les dieux pourront juger de mes actes. Soit-il. Ça n'a pas de sens. Ton serment et ta fidélité en ont un. Il a fait son choix. Chiavrena, il fallait qu'on se cogne Émeric le jeune prodige. Allons, messieurs. Montrez-moi ce que vaut la fine fleur des gardiens de Théobald. Faites honneur à votre rang, mon dieu. C'est pour demain, les amis. Lucas, tu mourrais ici ?
suis désolé, mec. Rodrigo ! Filii Spiritus Sancti. Son Dieu, qu'elle a prudit. Il nous a épargné. Il s'est condamné, oui. Et toi, ça t'a pas traversé l'esprit de pas le tuer? Non. Il savait ce qu'il faisait. C'est tout ce que ça vous fait de tuer un frère? Bon, écoute-moi bien, louveteau, là. Arrêtez! Immédiatement. On a suffisamment enterré d'entre nous pour aujourd'hui. Demain, on ira voir Godric. Et rien ne nous dit qu'il nous laissera partir vivants. Que ceux qui veulent partir partent. J'en ai marre de vous enterrer inutilement. Prenez une décision pendant mon absence. J'ai besoin d'être seul.
Que viens-tu faire ici, petit roi? Prenez leurs armes. Sir Godric, Valdemar a frappé à la frontière. Il annonce la guerre à venir. Dis-moi quelque chose que je ne sais pas. Je viens m'assurer que l'alliance entre nos deux royaumes est toujours aussi solide. Et au vu de l'accueil que tu me réserves, tu ne m'offres rien de rassurant. C'est pour être assuré que tu es venu à moi. Toi qui as pris ma fille, l'as laissée mourir. Toi qui as pris les terres de mon frère et les laisses dépérir. Toi, le vaurien de Fulsdorf, qui a pris le trône en une bataille. Et tu voudrais être assuré? Tu mènes notre sang à sa perte, Théobald. C'est pour éviter que le sang d'un bâtard ambitieux vienne le remplacer que je suis là. Le sang d'un bâtard ou d'un inconnu, quelle différence? Je ne veux pas étendre mon territoire. La voilà, la différence. Tu ne veux pas prendre les terres, mais tu prends les membres de ma famille. Tu m'arraches à mon frère, à ma fille, et mon fils, qui est ici, qui trahit son pays et ne salue même pas son père. Je n'ai pas trahi mon pays. Je me suis simplement refusé à le diriger en suivant les méthodes de mon lignage. Père. Tu es une honte, Dieu soit loué. Ta mère n'est plus des nôtres et n'a pas assisté à ce désastre. Laisse mère en dehors de ça, veux-tu? Tais-toi, tu as choisi d'abandonner ta famille. Tu n'as plus un mot à dire. Dire que je t'aurais élevé au rang de Dieu. Partez maintenant, allez mourir dans la boue, comme tous ceux de votre espèce. Et c'est ça le grand Godric? Viens, casse, tais-toi. Mais non, mais c'est ça le grand Godric? Mais c'est qu'un homme, c'est rien de plus qu'un homme. C'est un homme à qui on a mis un bout de peau sur le crâne, à qui on a donné quelques pierres, et qui décide depuis son fauteuil qui a le droit de vivre ou de mourir. On y va. Je suis sûr que ses entrailles brillent autant au soleil que celles de nos frères. Dis-moi, mon grand, ça fait combien de temps que t'as pas vu un champ de bataille? Pour l'amour de Dieu, Lucas, tais-toi! Tuez-le. Ne faites pas ça, Sir Godric. Touchez un seul de mes hommes, et aucun de nous deux ne sortira vivant de cette pièce. J'en fais la promesse. J'ai réussi à me frayer un chemin au travers d'une armée pour arracher votre frère aux griffes de la mort. Et je n'aurai aucun mal à m'en frayer un ici même pour vous l'apporter en main propre. Théobald, le peuple audacieux. Tu portes bien ton nom. Ton audace aura permis que je te laisse une dernière minute pour me convaincre de ne pas tous vous exécuter. Vous m'exécutez et vous vous retrouvez seul face au Erdeland et Vinland réunis. Et pourquoi Théobald du Erdeland ne se retrouverait-il pas seul face au royaume réuni? En offrant ta tête à Valdemar, je m'enlèverai bien du souci. Parce que l'honneur est de vous dire tout ce qu'il vous reste. J'ai sauvé votre frère des griffes de la mort, pas l'inverse. Je n'ai jamais voulu être à la tête des Erdeland. Je n'ai fait que me soumettre à la volonté de Landéric. Je n'ai pas arraché Alban à qui que ce soit. Là encore, notre union résulte de votre volonté, à vous et votre frère, de mettre un lignage honorable en place. Vous m'exécutez, et c'est la mémoire de votre frère que vous profanez. Et je sais que vous êtes un homme plein de vertu, empli de sagesse. Tu t'en sors bien. Repars dans tes contrées lointaines. Montre-moi que tu es digne de la mémoire de mon frère. Alors, peut-être, enverrai-je du renfort. Quant à moi, j'ai un contentieux avec Valdemar, qui s'approche trop de la forteresse de Grenzeburg. Je m'occupe de mes frontières, occupe-toi des tiennes.
Bien, sire. Théobald, ne te crois pas tiré d'affaire pour autant. Il faudra bien un jour que tu répondes de la mort de ma petite Albane. Et dis à ton gardien de surveiller ses arrières. Je n'ai pas oublié son affront. C'est entendu. Il nous reste quelques jours avant que Valdemar ne fasse sa prochaine action. Rentrons en Erdeland. On passera au pont au nord, en évitant les patrouilles. Une fois aux abords du castel, j'enverrai l'un d'entre vous, qu'il y prépare la défense, et qu'il nous envoie une garnison. On va récupérer Gabostadt, et ramener Ambre et son enfant dans les terres. Kimbrick ne soit pas mort pour rien. Si on ne peut pas retarder notre crépuscule, éloignons-le au moins de nos enfants. Attendez-moi là. Allez voir. Bien le bonjour, mon brave. Nous sommes des voyageurs. Et nous voudrions. Je sais qui vous êtes, sire. Et vous êtes le bienvenu chez moi. Dites à vos hommes qu'ils peuvent venir ici. Vous ne pas rester debout toute la nuit? Il y a de quoi faire ses ablutions et se sustenter. Ça sera pas un festin, mais on fera au mieux. Adélem, viens ici. Viens ici, je te dis. Allez. C'est mon plus grand. Alors, il a plus sa maman, donc il fait un peu là. L'oreille dure, hein? Vous savez ce que c'est? Allez, c'est un bon petit bonhomme, rentre. La route a été longue, hein? Quelle est la situation ici? Mauvaise. Très mauvaise. Après que Valdemar ait tapé chez vous, on se doute bien qu'il va venir faire un tour chez nous. Certes, on a bien la forteresse de Grasenberg. Ah, c'était quelque chose du temps de mon enfance. Depuis la guerre, ils n'ont rien fait pour la remettre sur pied. Sûr qu'elle sera prise en premier. Enfin, moi je dis ça. Je suis pas soldat régulier. Vous avez fait la Grande Guerre? Sûr que je l'ai faite. On n'abandonne pas son pays. Pas chez moi. T'as dû la voir de loin, toi. Je l'ai faite. Les 4 années durant. Oh. Tu devais pas être bien vieux. 13 ans quand elle a commencé, j'ai participé à l'escarmouche des bois sauvages. C'est pas un âge pour voir tous ces morts. Y a pas d'âge pour survivre. Sacré bout de bonhomme. À propos de garçon, sire. Oui? J'aurais une requête à vous faire. Je t'écoute, Amédée. C'est à propos de mon gamin. Il pourrait pas faire un bout de chemin avec vous. Il serait plus en sécurité qu'ici. C'est un petit gars fidèle, solide. Il pourra vous accompagner. Et il deviendra un bon gardien plus tard. Notre route est dangereuse, Amédée. Je pense pas que ce soit une bonne idée. Vous en avez un autre? Ouais, c'est le petit dernier. Il doit avoir mal. Qu'est-ce qu'il a?
Des plaques partout sur le corps. C'est pas ce qu'il a, c'est un petit sans sa maman. Enfin, voyez ce que c'est. Ouais. La seule chose que je peux faire, c'est qu'il ait moins mal. Quoi. Faites-le taire. Sortez, madame. Sortez! Je crois que mon sang est maudit. Théobald. Qu'est-ce qui se passe ? Elle est là. On en a déjà parlé à moi. Pourquoi tu ne me crois pas ? C'est à Caverne aux âmes que je crois pas. Ramène-le-moi. Je peux pas. Je peux très bien y aller. Je ne peux pas. Messire Landry, pardonnez mes manières, je n'ai pas l'habitude de m'adresser à un seigneur. C'est qu'on voit pas beaucoup de monde par ici. Je vous écoute, Amédée. Parlez franc. Ici, nous ne sommes que des hommes autour d'une table. Qu'importent nos statuts ? Merci, messire. Pourquoi vous ne reprendriez pas la tête du royaume ? Je sais qu'il y a mésentente avec votre père, mais enfin, on a besoin de quelqu'un comme vous. Je ne dis pas ça contre... Le seigneur Godric, il est plutôt bon, dur, mais juste. N'ayez crainte, Amédée. Vous pouvez parler librement. Merci, messire. En fait, il est d'un autre temps. Le royaume a besoin de sang neuf. Vous voyez ce que je veux dire. Je suis très touché que vous me pensiez digne de diriger les royaumes de la côte. Et peut-être qu'un jour ce sera le cas. Mais aujourd'hui, je suis gardien de Théobald. Et tant qu'il aura besoin de moi, je serai là.
Il te laissera partir, j'en suis sûr. Nous verrons bien si ce jour vient. Je te parie 10 pièces d'or. Et je rallonge de 5 en plus. Faites donc. Si un jour je deviens roi, ce ne sont pas 15 pièces qui me mettront dans l'embarras. Et si je ne le suis pas, je serai sans titre, mais riche. Petit salopard. Ah, c'est bien pensé. Tu vieillis, mon bel Éloi. Allons nous coucher. Que le repos de cette nuit nous soit profitable. Amédée, je vous remercie pour votre hospitalité. Vous êtes un hôte de grande qualité. Mon plaisir, messire. T'offrir à boire? Avec plaisir. Six cervoises. Et tu viens d'ici? Oui, pas très loin. Salut, ma mère. On va se faire un tour? Je te remercie, mais je suis déjà occupée avec le monsieur. Combien il t'offre? Je te donne le double. C'est pas une question d'argent, c'est une question de commerce. Je suis déjà avec le monsieur. Laisse la petite tranquille. Elle est sous ma protection. Tu crois protéger qui, toi, face à Évrard et ses hommes? Regarde par là. On a eu le temps de se vider quelques godets dans le gosier. Et tu l'as toujours pas remarqué. Alors maintenant, tu me sers une chope, tu vas faire un tour et tu me laisses avec la demoiselle. Alors, montez où, ma poule? Je te dérange pas là. Je suis en train de converser avec la demoiselle. Tu veux mourir, petit? Regarde ton entrejambe avant de l'ouvrir si grand, le mal taillé. Un seul faux mouvement de ta part, et tu perds ce que tu as de plus précieux. Alors, bourse molle, j'entends plus rien. Qui menace un de mes hommes? Un des miens. Il semble qu'il était sensible au manquement de la bienséance de votre homme. Pardonnez-le. Ah ouais? Eh bien, il va s'excuser, le petit. Il va nous donner tout ce qu'il a, en guise d'excuse. Ou bien autrement, votre homme va retirer son couteau de la gorge de mon compagnon et retourner s'asseoir tranquillement. Bah dis donc, il se sentirait presque en position de supériorité, le petit. Il sait bien parler, mais est-ce qu'il sait se battre aussi? Je te trouve bien fort en gueule depuis tout à l'heure. Pour qui tu te prends, avorton? Pour qui je me prends? J'aurais pas bien dire. Toi, en revanche, retiens bien ceci. C'est quand on se croit maître d'une situation qu'alors tout s'effondre. Tout particulièrement quand on a un vaurien sur cervelle. Incapable de reconnaître un seigneur quand on en croise un. C'est Évrard ton nom, c'est ça? C'est pas commun. C'est pas difficile à retrouver non plus. Allez, vas-y, prends de l'avance. Pardonnez pour le dérangement. Nous partons. Quoi? Mais pourquoi on part? J'ai changé d'avis. On retourne chez Amédée, on prend son enfant, et on lui offre de meilleurs lendemains. Loin de toute cette crasse. Merci. Sois pas triste, petit. C'est une jolie vie qui t'attend.
Merci, sire. Et vous, avec le petit dernier? Il n'y a plus de petit dernier. Il n'a pas passé la nuit. Je suis désolé. Avec le monde qui l'attendait, c'est peut-être pas un mal pour lui. Vous voulez venir avec nous? Ah, ça, certainement pas. Ici, c'est la terre de mon père. Pas question de l'abandonner. Et puis croyez-moi, je les attends de pied ferme, les Vilandiens. Malheur à ceux qui passeront par ici. Vous en faites pas, on s'occupera bien du petit. Je n'en doute pas. Allez, ne perdez pas plus de temps. Amédée. Merci. Allez, viens, petit. Messieurs, vous allez vers le pont au nord, soyez discrets. Alors, prêt à découvrir le castel de Théobald? Tu verras, c'est un endroit magnifique. Moi, je voudrais surtout apprendre à me servir d'une épée et devenir gardien. Ah ça oui! Comme ça, je pourrais retrouver mon père et l'emmener en ville. C'est vrai que les gardiens, ils ont plein d'or. Si tu nous suis pour l'argent, petit père, tu vas être déçu. Les guerres, ça éventre les caisses d'un royaume. Ah bon? Et si tu suis ta formation sérieusement, tu auras bien assez tôt ton or pour mettre toute ta famille à l'abri. D'ici 2 jours, je vais t'envoyer à Flusdorf. J'aurai besoin de t'organiser la défense de la ville. Il va falloir que tu te fasses ami avec les notables, Tancrède. Et que tu contactes Emeline. J'ai besoin de savoir où elle en est dans ses relations avec les boissons. Depuis que tu as leur roi, Théobald, on leur a jamais causé aucun souci. Il n'y a pas de raison qu'ils viennent pas nous prêter main forte. C'est tout le problème avec les boissons. C'est qu'on sait jamais à quoi s'attendre avec eux. Est-ce que là où on va, il y aura à manger? Tu as faim? Un peu. Tiens, madame. Mange pas tout. Il nous reste de la route. Merci, monsieur. Et prends quelques hommes d'Emeline avec toi. C'est des gars solides. La ville basse, c'est la meilleure des formations, c'est ça? Exactement. Il va nous falloir tous les soutiens possibles pour contenir les assauts de Valdemar. Si la situation dégénère, je compte le voir personnellement. Tu veux lui céder les airs de Londres? Je compte le défier au pire témoin. Théobald, tu es bon bretteur, mais de là, défie Valdemar. Je sais. Tancrède. C'est Godric! Ah!
On va se faire massacrer, Théobald, viens. Petit. Théobald, allez. Bouge, Théobald. Pas, on meurt tous les trois ici. Allez, lève-toi. Je vais me le faire, ce vieux croulant. Le fin fond de sa forteresse va se noyer dans ses tripes. Tu vas surtout tenir ton rôle de gardien. Tu vas veiller jusqu'au crépuscule de ton roi. Tu t'occuperas de Godric plus tard. Et t'as une meilleure solution alors ? Krasenburg est à deux pas. Mais selon les dires d'Amédée, Valdemar prendra la ville d'ici quelques jours. Ce qui nous reste, c'est de les réfugier à Flusdorf sous la protection d'Emily, ou dans les bois sombres. On n'est plus assez nombreux. C'est moi que tu veux ? C'est moi que tu veux ? Viens. Je t'attends. J'ai plus peur.
Reviens là. Reviens! Silence, hein. Vraiment la seule arme que tu aies? Imposer le silence autour de moi? Alors tends l'oreille. Tends-la bien. Regarde-moi! Parce qu'aucun souffle ne pourra empêcher ce qui va suivre. Aucun vent pour couvrir l'odeur de métal que je vais répandre autour de moi. Pour camoufler le goût amer d'un sang qui s'éteint. Tu ne m'as rien laissé d'autre à en serrer avec mon pommeau. Très bien. J'en ferai bon usage. Va-t'en. Et toi? Où est-ce que tu vas comme ça? Le plus loin possible, messire. Grisenberg est tombé. Valdemar en personne a pris la place. Ils ont fait du fort leur avant-poste. Tu pourrais me dire à combien de temps on est de Grisenberg d'ici? Mais qu'est-ce que c'est que cette manie d'aller au plus près du danger? À un jour de marche, par là? Une manie, tu dis? Pas plus tard que la nuit passée, un homme a demandé le chemin de Grisenberg.
Je lui ai indiqué et il est parti. À quoi ressemblait-il ? Il faisait nuit, je voyais rien. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il avait une épée. Et était-il vêtu de noir ? Je peux pas vous le dire avec certitude. Dites-moi que je rêve. T'es complètement fou pour venir seul ici ? Appelez Valdemar, immédiatement. Egil. Encore en vie après toutes ces campagnes ? Bel exploit. Qu'est-ce que tu fous là, voleur de trône ? À genoux ! Et peut-être que Sir Valdemar épargnera ta pauvre vie. À genoux ! Peut-être préférais-tu mourir debout ? Ça ne me dérange pas. Finissons-en. Retourne à ta place, fils de chien. Derrière ton maître. Sigurd ! Vas-y, Sigurd. Tue le roi des Erdeland. Ce sera bien la première fois que je te verrai tuer quelqu'un en face. Bon courage pour expliquer ça à Valdemar. Sigurd, range ton arme. Théobald, qu'est-ce qui arrive à tes bonnes manières ? J'ai plus le temps pour les manières, Egil. Tu viens donc en homme désespéré. J'espère vraiment que tu sais ce que tu fais. C'est dommage, Théobald. Dans une autre vie, nous aurions pu être amis. Est-ce qu'on attend pour le démembrer ? Jusqu'à preuve du contraire, tu ne diriges rien ici. Alors retourne à ta place. Je t'offre un verre. Si je veux étendre mon territoire, ce serait pour éviter que mon peuple meure de faim. Et c'est pas à mon peuple d'en payer le prix. Cousin. On est cousin qu'en titre. C'est exact. Tu n'as aucune goutte de sang royal qui coule dans tes veines. Moi, si. C'est pourquoi tu n'as rien à faire sur le trône des Erdeland. Peut-être bien. Mais il se trouve que j'y suis. Et qu'il m'incombe de le protéger. Tant de défendre le peuple. Et donc, tu viens seul, sans armée, ni sans plan, en plein Vinland ? Quelle audace ! Les comptes de nos enfants sont loin derrière nous, Valdemar. Et ils sont pas une fatalité. Qu'est-ce que tu veux ? Mais la même chose que toi, cousin. Assurer mon trône, protéger mon peuple de vos tyrannies, mais surtout, faire payer à Landéric, Godric et leurs descendants ce qu'ils ont fait subir à mon père. Les voir pleurer sur leur situation, comme j'ai pu voir mon père brisé à l'idée même d'exister. Toute cette souffrance sur le seul prétexte que quoi ? Qu'il n'est pas sorti du ventre de la chienne qui a mis au monde ceux que tu défends ? Pourtant, il était bien le fils d'Ulric, Théobald. Et même si c'était un bâtard, le sang royal coule dans mes veines aujourd'hui. Qu'est-ce que t'as pris pendant les 4 ans de guerre ? Ça t'a pas suffi ? Les Vinlandes sont trop étroits pour l'ambition de Valdemar le Malné ? Mais aucun royaume n'est assez grand. Et il faut bien que le sang se renouvelle. Je suis d'accord avec toi. Je suis même venu à me dire que le sang royal était maudit. Je te propose d'y mettre un terme. Théobald, le sauveur des rois, mène une dynastie de souverains à sa perte. Quelle ironie. J'ai appris pour ta belle. Et j'en ai été désolé. Tu voulais pas massacrer le sang des fils d'Ulric ? Sans enfant, elle n'était pas une menace. Et si on en avait eu, tu serais venu la récupérer, c'est ça ? Tes proches meurent tout seuls, Théobald. C'est toi qui saignes mon peuple. Qui attaque mes terres. Pas l'inverse. Je ne fais que reprendre l'héritage qui m'a été volé.
cousin Landry, que devient-il? Il est mort. Il y a un jour d'ici. Une attaque de Godric. Godric? Son tour viendra après le tien. Aujourd'hui, c'est toi que je défie. Oseras-tu m'affronter devant les pires témoins? Là où nos pères ont été sacrés, où ils sont séparés, là où Ulrich repose, là où il nous observe. Réfléchis bien. Je te propose de prendre ma tête devant tous. Et de porter un coup fatal aux Erdolandes si tu y arrives. Et pourquoi ne pas la prendre sur le champ? Parce qu'en m'affrontant en duel, c'est le seul moyen que tu aies pour t'extirper à ta situation de bâtard. À la manière de l'ancien temps. Voilà qui est bien parlé. J'accepte. J'ai été désigné en ce jour, juge pour le peuple, dans ce duel opposant Valdemar des Vinlandes à Théobald des Erdelandes, selon les règles d'Ulrich, père de tous les royaumes. Puissent les pierres témoins désigner le roi légitime. Messieurs, faites vos vœux. Qu'Ulrich en soit témoin, qu'ici-bas vienne la mort. L'un privé de matin, l'autre vivra pour l'aurore. Thank you.
Sa main blanche.